Bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai 26 ans. Je suis dysphasique, trouble du langage et de l'apprentissage. Et j'ai décidé de vous parler de mon parcours professionnel. Il y a 10 ans et plus, encore en tant que collégien, je ne savais pas dans quel métier m'épanouir. J'ai commencé par la cuisine, restauration et boulangerie-pâtisserie parce que j'aime bien cuisiner et manger. Mais en entreprise, cela ne me plaisait pas parce que l'ambiance de travail avec les exigences et qualités de travail était difficile pour moi. Par la suite, j'ai voulu m'intéresser à la menuiserie-agencement, le travail du bois. Je préfère travailler manuellement que dans un bureau. J'ai fait un bac pro 3 ans et j'avais déjà des difficultés à apprendre le métier, que ce soit à l'école comme dans les stages en entreprise. Mais j'étais motivé, courageux, alors j'ai voulu finir tout ça par un BP en alternance avec une entreprise qui par la suite m'a conseillé d'arrêter dans le métier et de se réorienter. Et le travail du bois m'a quand même réorienté vers le jardin espace vert. Alors j'ai fait un CAP puis un BP en jardinier paysagiste, d'abord entre l'école Dubreuil et la mairie de Charenton-le-Pont, puis avec Disneyland Paris. Pourquoi? Parce que c'est une très grosse entreprise qui a beaucoup d'argent et donc plus d'argent, plus de temps pour que nous, les jeunes dysphasiques, puissions apprendre le métier. Voilà.